put the place up. Yeah, we know what we made of. Can't get enough for you, boo, I'm a chaser. Face up, now I feel a little major. Blink of an eye, ego, I'm a taker. Shaker, yeah, she was a ball shaker. She shake me out that door to no place. Damn, why you doing all that? Ok, salut les guerriers et bienvenue sur Fitness Fusion. On est là pour faire des fusions. Aujourd'hui, on va analyser Ragnar le Breton. Est-ce que tu le connais ? De vite fait, je l'ai vu apparaître dans le fil d'actualité YouTube. Il a percé aussi sur TikTok, on le voit un peu partout. Il fait sur des vidéos de McFly courtes. Et Carlito. Oh là 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 ! T'as vu l'épaisseur ? L'épaisseur du gars ! Il caricature le monde du fitness, le monde, notre monde, le monde de la musculation. Il fait le coach sportif un peu. Ouais, avec un short trick, enfin, remonté jusque. Si vous avez des gens hors de forme, faut les envoyer chez Michel. Il parle de toi hein, quand il fait ce genre de vidéo. Non, non, il parle pas de moi. Et nous, dans le monde du fitness, dans le fit game comme on l'appelle, donc tous les youtubeurs qui parlent de fitness, on aime bien savoir qui est dopé, qui ne l'est pas. Donc on va analyser son physique pour savoir s'il prend des produits qui seraient interdits en France. Des produits interdits en France, il a pas dit des produits dopants, des produits interdits en France. Parce que toi, on sait que tu vas aux États-Unis pour te fournir. Bah, Thaïlande, États-Unis, Mexique, Inde, partout. Afrique du Sud-Ouest, nique sa mère. Bon, on a déjà vu un peu son physique, on pense pas qu'il soit dopé. Bien sûr que non. Ouais, mais vu qu'il y en a qui doutent du physique de Alex Levent, tu vois, faut on le faire, dirait, ça, par contre, ça par contre, faut le faire. Voilà, donc on peut se permettre de douter de Ragnar vu son gabarit. C'est vrai qu'il est quand même costaud par contre. Ah ouais, il est très grand. Il est très grand, il est costaud. Et puis en plus de ça, on est du genre à sentir les bons filos. Tu te rappelles quand on avait 5K abonnés, on a réussi à faire 1 million c'est de vrai. Vues. Là, on s'est dit qu'avec ce genre de vidéo, on pouvait aussi faire voilà les vues. Mais là, ça va dépendre que d'eux. Il va falloir liker la vidéo, abonnez-vous, commenter, tout ça. Faire des dons. On peut le refaire ici les gars, on peut refaire 1 million de vues si vous êtes engagés dans les commentaires. Et la vidéo on l'a fait aussi pour ça. Mais la vidéo n'est pas inutile hein, donc restez bien jusqu'à la fin, vous on allez vous apprendre quelques trucs. Plein de trucs sur le personnage Ragnar. Ragnar. Mathias Kiviger. Non je sais pas. Mathias Kiviger j'aurais dit. Kiviger. Mais on le fait à l'américaine ici. Ah, je vous avais dit qu'il prenait ses produits là-bas. Voilà. Moi j'ai été surpris de savoir ce qu'il faisait à côté des réseaux sociaux. Alors moi je le savais pas avant que tu montres le doc. Déjà on va pas se mentir, je pensais que c'est un mec qui popait nulle part et bah, il faisait ah, la des, même des chose. Vidéos et des trucs comme ça. C'est pour ça que quand j'ai su ça j'ai été surpris, je me suis dit ça allait être intéressant d'en parler. Mais non, apparemment avant il a été acteur. Peut-être il l'est encore, hein, je sais pas, il est acteur, acteur en tout cas il est acteur. Et il a été mannequin aussi. Ouais, déjà. Mannequin le monsieur. Donc vous verrez les photos à l'écran, franchement il a gros besoin. Ouais, non mais il est crédible quand même, il est crédible. Il est bon. Mais quand on le voit comme ça dans ses vidéos, il fait un peu le con. En fait, c'est un personnage, les gars. Il n'est pas comme ça dans la vraie vie. Il sait être très sérieux. Il a fait d'autres films aussi. J'étais tombé sur cette photo. On pensait qu'il était musulman. Mais non. Moi, je pensais qu'il était de la maison. J'étais content. Hein. De la maison. Lui, il croit vraiment qu'il est musulman. Hein. Donc voilà, rien que pour ça, les gars, vous avez appris des choses sur le personnage. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et maintenant, on peut passer au sujet. Passons à l'analyse physique. On va essayer de savoir si naturellement son physique est accessible. Est-ce que toi, débutant, tu peux avoir son physique? Donc, par rapport au gabarit, moi je dirais un bon 90. Ouais, facile. Déjà 1,90 et au niveau du poids, il est facilement à 90 kg. 90 kg, il est fait, il n'y a aucun problème. Donc déjà, en musculation, on a un calcul qui permet de savoir si potentiellement il se serait dopé. C'est des conneries. Ça. Ouais, le FFMI. Et en général, lorsqu'on a plus 5, on peut être considéré comme dopé. C'est un élément en plus. J'aime bien. Donc ce monsieur-là, il est à plus 36, je crois, Marvel. Ouais, il avait c'est dit. Ça, à peu près. Donc méfiez-vous plus de lui que de Ragnar. Donc pour l'instant, au niveau du FFMI, c'est correct. Et au niveau... Après, on parle de plus 5 sec, hein. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais. Tout le monde le fait, plus 5 grammes. Voilà. Même mon bouille, il le fait, donc... Peut-être dopé. Hein, peut-être écharpe. La pomme, elle tombe pas loin de l'arbre en général. Donc là, de ce qu'on voit, bon, il fait encore le guignol hein, sur cette vidéo, mais on voit qu'il y a des bons pecs, il y a des bonnes épaules, des bons biceps. Il y a des mecs qui voudraient ressembler à ça, tu vois, qui ira à la plage l'été et ils se sentiraient bien dans ce corps-là. Mais il a un bon physique. Hein. Je suis sûr que c'est un mec qui se donne même pas la salle super plus physique. Que ça. Il doit manger vite fait, ça va, je dois pas se prendre la tête, pourtant il a un bon physique. Et j'ai vu qu'il faisait aussi de la MMA. Ouais, ouais. Mais en fait, ce qui m'a... dans ces vidéos, on le voit beaucoup avec des bodybuilders. Et les bodybuilders, j'ai l'impression qu'ils sont dedans, tu vois. Yeah, baba. Si tu veux devenir une machine pour cet été, tu les contactes. Fais bouger le matos. Yeah, là, y'a bonhomme, bébé. Donc, mais je c'est me pas dis une impression que les bodybuilders, ils sont dedans, les bodybuilders. Ouais, en général, les bodybuilders, bon, ses amis qui font de la musculation, j'ai l'impression qu'ils sont chargés, tu vois. Donc, peut-être je me dis que si dans son entourage, ça touche un peu à ça, non. Pourquoi pas lui. Si c'est un mec qui fait du MMA,
il veut garder un... Normalement, il doit garder un point minimum léger, il doit pouvoir être fonctionnel, donc il n'a pas d'intérêt à se charger, ce serait complètement con. C'est ça, si vous faites un sport de compétition comme la MMA, il n'y a pas besoin d'être trop lourd, vous êtes trop lent sur le ring. Donc là, de ce qu'on voit, c'est un bon physique. C'est un gros gabarit. Mais c'est un physique accessible naturellement, largement. Donc si vous voulez ce genre de physique, les gars, il suffit d'une chose, c'est d'acheter des programmes sur www.fitnessfusion.fr. Oui, petite pub, elle est bien passée. Je trouve qu'elle est bien passée. Ce qui me dégoûte avec les physiques comme ça, moi, c'est comme il est grand et large, même si nous, on est plus costaud que lui, si on se met à côté, on va être ridicule. Alors que justement, on est plus musclé que lui. Et nous, on s'entraîne 6 fois sur 7, on fait les choses bien pour essayer de gonfler un maximum. Mais bon, à côté de lui, on est 1m70. Tu fais 1m74. Moi, je fais 1m72. On joue sur les mots. Voilà, les gars. Donc, n'hésitez pas à chercher vos programmes sur notre site internet. Vous ne grandirez pas, mais vous serez plus large. Plus large, c'est déjà bien. Faut c'est bien déjà pas mal. Par la taille. Et d'ailleurs, nouvelle petite promotion. À chaque fois que vous allez acheter un coaching d'une durée de 1 an, vous recevrez un pistolet de massage d'une valeur de 100$. Et ça peut monter jusqu'à 400$ selon nos stocks. C'est ça. Non, donc, même pas. Comme on en a plusieurs, il faudra qu'on choisisse au pif, en fait. Ouais, voilà. Ça sera un tirage au sort. Et donc, il nous en reste encore plein, les gars. Donc, n'hésitez pas. Si vous commandez coaching 1 an, vous avez aussi votre pistolet de massage qui va avec. Ça fait plaisir. J'espère qu'on aura fait cette vidéo avant tout le monde, avant Alex Levent surtout, avant Soline Mike qui aime bien ce genre de sujet. Nous, c'est pas du tout notre truc en général. Mais comme on aime bien faire le buzz... De toute façon, Marvel, il a dit quand la vague est bonne, il faut prendre sa planche et y aller. Et nous, on va y aller jusqu'au 100K, les gars. Donc, abonnez-vous, soyez avec nous. C'était Fitness Fusion. Vous étiez en présence de Mr. DJ. Force.